Et j'ai pas voulu vous montrer en fait les mini-jeux parce que je veux vous les montrer, enfin tous les mini-jeux un peu plus tard quoi. Peut-être bord, on sauvegarde. Et après on va faire le monde du d'Hercule, hein, le monde du Colisée. Colisée de l'Olympe, oui. Donc c'est un peu... Là ça va plus augmenter la difficulté on va dire. Vu que sur Disneyville on peut juste faire le mini-jeu et partir pour justement faire par exemple le Colisée. Hein. Ça prend... Si vous faites le mini-jeu directement au lieu de visiter, vous avez... Vous gagnez 10 minutes quoi. Le mini-jeu est pas très long hein. Mais si vous voulez le visiter, ouais, là vous avez pratiquement pour entre une demi-heure et une heure à peu près. Donc c'est pas très long. Niveau de combat 5. Non mais moi je vais pas. Et alors la chasse aux commandes, je le montrerai un peu plus tard. Alors, histoire Disneyville. Je rentre pas dedans, hein, c'est pour ça. Un personnage. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Le jardin a vu, il n'y a que Merlin. Hein. Et là, il y a pratiquement tout le monde. Et au niveau des commandes, magie, il m'en manque pas mal. Mais bon, là, on peut savoir c'est quoi. Là, j'aimerais bien voir soin X. Parce que sur la fin du jeu, ça va être notre meilleur ami. En termes d'objets, j'ai pas tout. En termes de représailles, il n'en manque plus qu'un. Puisque je pense que dès que j'ai fini l'histoire de Terra, je vais essayer de compléter un peu tout ça. Avant de... en tournant en parallèle justement l'histoire de Ventas. De Ventus plutôt. Donc alors, il me restait 3 coffres à la forêt. Là c'est normal hein, puisque tous ces coffres là ils sont dans les égouts comme j'ai dit. J'ai pas envie pour l'instant d'y aller. Peut-être sur la fin on ira faire un petit tour, je sais pas. Avant de conclure cette session. Donc c'est parti pour le Colisée. Je vais juste regarder un truc. 25% ouais. C'est parti. Stay back. Ok. Ok, ça va être chiant. Et puis sûr, il y aura un nouvel ennemi en face de nous. Oh oh.
Wind! Gather! Heal! Voilà. Oh oh. Heal. Non, toi tu te calmes là. Voilà, c'est bon, tu t'es calmé. Voilà, je reprends un peu de vie. You're done. Ah, j'ai raté. Gather. Oh oh, ça c'est très dangereux. Oh là là. Voilà. Il n'en reste plus que deux. You're done. Oups. C'est pour ça que je fais un peu attention. À deux, ils sont très dangereux. Wind! Gather! Voilà. Eh, j'aurais dû le parer, ça. Allez, s'il te plaît. Gather! Bon, je vais pas parer. You okay? Huh? Yeah, thanks. Guess they were too much for me. I'm just gonna have to train harder. You're pretty tough. It really handled those things. Are you here to enter the games? What games? The games. To see who's strongest. One day, I'm gonna win them all and become a true hero. Hank! Where are you? Front and center right now, or I'm tacking on another 1,000 laps. Uh-oh. Gotta go. The Colosseum's just up ahead. I hope I get to see you fight there sometime! A competition. Hmm. I should find out how strong I really am. Et donc voilà, on a fait notre première rencontre avec Hercule. Là, il faut que je remonte un peu, parce que... Voilà, c'est bon. Merci. Parce qu'il faut quand même que j'augmente ma jauge de concentration. Bon, ça, c'est pour les 1D. C'est vrai qu'on aurait pu en utiliser, mais bon. Ok.
ya. So long. Voilà. Voilà. Regardons. Donc on a fini aimant. Alors est-ce que je peux faire des trucs avec ça? Normalement ça devrait donner soin X, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on va mettre? Recharge. On va mettre ça. Voilà, soin X. Maintenant, je peux l'avoir. Hop. Qu'est-ce que je peux mettre aussi ensemble? Foudre plus. On verra. Ah mais j'ai déjà Disco Bolos. On va faire ça, on va mettre Foudre plus, tiens. Frappe étourdissante. Soit ça, soit... Oups. Soit Disco Bolo... soit Foudre plus. Mais on veut partir sur Foudre plus, tiens. Et on va mettre ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Là, on va mettre foudre. On va mettre stop, tiens. Et j'ai plus rien en attaque, ça c'est chiant en fait. Faudrait que j'en achète d'autres. Ou que je farme un peu pour les faire. Enfin, farmer les... l'argent. Jeez Louise, one chump after another. It's like a who's who of Decathlon disasters around here. All I need is one measly warrior tough enough to give Zeus a jolt of his own medicine. Wait. Dark, moody, powerful? Yes, he's perfect. This is it. How sad is this? Huh? Pains me to see it. All that power going to waste. Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yada yada, how you doing? Hey, let me guess, you're trying to put the kibosh on the darkness inside you. Am I right? Of course I'm right. Well, anyway, bad idea. Wait, what? Okay, stay with me. Darkness is inside everybody. Nothing to be ashamed of. You play nice with it, and darkness will be your best friend. But if you go and get all self-conscious and refuse to face it, the darkness will run over you like a debutante at a toga sale. And then where are you? Nowhere! Now me, I look at you, and I see potential. That's right, kid. You got the potential to conquer the darkness inside you. And I'll even give you some pointers. I mean, believe me, if anybody knows conquering, I know conquering. Well, let's hear it then. How do I conquer the darkness? Easy. You sign up for the games. I know, I know. Please, Lord Hades, the games. But hey, you would be surprised what you can learn in the heat of battle. And don't worry, I'll be right there to guide you every step of the way. I'm kind of what you'd call an expert in the art of darkness. Oh, decide fast. This is a limited time offer. Mmh.
Ça sent pas bon. Surtout ce qu'il a dit avant, hein, franchement. Bon, on fait un peu le tour. Ah, il y a un sticker ici. Mais je crois que je peux pas l'atteindre encore. Frappe enflammée, cool. Non, non, pas encore. Il me faut le double saut. J'ai pas cassé, hein. Je n'ai pas cassé le vase. Voilà. Comme ça, on a récupéré tous nos HP. Hop. Non, ça, j'en ai plus besoin, s'il te plaît. Merci. Méga potion. Non. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voici cette méga attaque. Oups. Ah oui, c'est vrai que Disco Blos, on a dit non. Qu'est-ce que je peux mettre? Ce serait pas mal d'avoir les deux frappes. Hein. Comme ça, voilà. On part sur un nouveau jeu de commandes. Pourquoi j'en ai encore là? Wow. Bizarre. On va regarder, mais... Ah oui, c'est la méga potion, c'est vrai. Objet, recette... D'accord. Et pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, let's go pour les jeux. C'était quoi? Donc, on a la frappe enflammée. Ou étourdissement. On va faire ça, on va faire entrave. Et on va faire électrique. Oups. Voilà. Comme ça. Donner la frappe d'entrave, comme ça on a ça, donc c'est pas plus mal. Oups, merci. On sauvegarde et on y va pour les jeux du Colisée de l'Olympe. Oups. Oui, marché conclu. Même si ça m'enchante pas. Les amis, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai lancé la cinématique et quand il a dit son nom de Terra, mon game capture s'est arrêté brusquement.
Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas le début de la cinématique, puisque j'ai bien fait de sauvegarder. Donc on va reprendre la cinématique depuis le début. Donc c'est pour ça que vous verrez une petite coupure, une petite transition en fait. Donc c'est tout à fait normal. Donc on recommence, oui, marché conclu, et cette fois-ci tu plantes pas. When are you gonna tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. You would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kinda earthy, but alright. Now, height and weight. What's this? Favorite god? Come on, Hades. There, ba-boom. Easy peasy. I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy with that darkness inside you. It's sweet, really. And hey, by the time you win the final match here, you'll have figured out how to conquer it for good. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. Et on est parti pour les jeux, et en plus on a un temps imparti, c'est très long. Voilà. Oula, excusez-moi pour ces bruits de pétard. Et comme par hasard. Alors, essayez. Je vous le dis, alors, c'est long et fastidieux. Hein. Hop. Voilà. Oups, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le garder pour la suite. Ah, voilà. Et ça va être long. Hop là. Et flûte. Ah. C'est pas facile. Hein. Surtout avec le temps imparti. Et surtout qu'il y a 10 rounds. Hein. Voilà. You're done. Take that. You're done. Take that.
Voilà. You're done. Oups. Wind. Thunder. Say goodbye. Stop. Bon ben celui-là aussi c'est raté. Ah, peut-être pas. Et je le dis, ça va être très long en fait. Pourquoi il a déclenché? J'ai appuyé une fois de trop. Thunder. Stop. Et ça, c'est mort. Il faudrait que je change de tir visé. Je pense que c'est ça qui me fait défaut. Frappe enflammée, la fini. Donc, on lui met. Moi, je m'excuse encore pour le bruit de pétard hein, qui provient de dehors. On lui met ça. Et on lui met ça. Et je reprends Disco Bolos. Hop. Et on va prendre ça, puisqu'il est au maximum. Donc on sauvegarde. Je sais que parfois hein, c'est un peu difficile et que pour y remédier, c'est de level up un peu et surtout de level up le jeu de commande. Bon, on y retourne. Hein. Je crois qu'il relance la cinématique, il me semble. Ouais, c'est ça, il relance la cinématique. Voilà. Ah, flûte. J'ai un peu raté. Et c'est là que ça va nous servir un peu pour le prochain round, je crois. Take that. Hop. Non, 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 non. Ah, c'est chiant. Mais non, c'est du retry. Thunder.
Voilà. Voilà, c'est bon. Take that. Wind. Thunder. Say goodbye. Stop. Ouh là là. Allez, va-t'en. Hop, 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 hop. Voilà. Ah là, c'est un peu casse-pied les coups de pétard là, qui sont dehors. Enfin, les bruits plutôt. Oh là là. Want some? Bon ben c'est un peu mort là. Je pense que c'est le stop qui me fait défaut. Bon on va essayer quand même. Mais on était bien parti. Hop là. Voilà. Wind. Thunder. Stop. You're done. Voilà. Let's go. Hop là. Voilà. Take that. Ah, comme ça c'est fait. Ouf. À la milliseconde près, quoi. Wind. Hop. Thunder. You're done. Voilà. Oups. Bon ben j'ai foiré. Take that. Ah là là, j'ai foiré. Voilà.
Et voilà. Ah, on dirait au prochain. Alors, prochain round, on level up. Voilà. Level 15. Take that! Win! Thunder! Stop! You're done! You're done! Voilà, parce que vous êtes un peu chiant là. Voilà. Hop. 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 Voilà. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Win. Hop, comme ça, je m'occupe de lui. D'accord. D'accord, d'accord. J'enlève le stop. Dommage que j'ai pas aimant. Tiens, ça, ça peut être pratique. Donc, si on n'a pas fini ce monde-là, je pense que. On continuera, on va dire, ce sera une partie 2. Même si hein, c'est pour ça que j'ai dit qu'une session ça peut être entre ça peut être deux mondes en fait. Étant donné qu'un épisode c'est un épisode d'une session c'est un monde. Donc ça ne me dérangerait pas de faire deux mondes. Ah mince, j'aurais dû faire réussir parce que j'ai perdu mon level 15 en fait. Bon, pas grave. On relance la cinématique. Et je me souviens plus comment je l'ai fait moi quand je l'avais fait sur PSP. Je sais que c'était difficile et c'était long parce qu'il fallait réessayer à chaque fois. Wow, fais pas des trucs comme ça, Terra. Voilà. Hop, 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 voilà. Win! Thunder! Say goodbye! Want some?
Hop là. M'attaque pas comme ça, toi. Voilà. Oups. Voilà, là c'est un peu mieux. Hop, 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 hop. Et flûte. Comme par hasard, il y en a un qui s'est protégé, quoi. À essayer. Thunder. Voilà. Voilà, c'est bien. Hop, hop, hop. Want some? Win. Hop là. C'est mort. Enfin, c'est mort, puisque l'autre il s'est enterré. C'est long, hein. Calme-toi. Voilà. On va garder ça pour le troisième round. Hop, 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 hop. Voilà. Hop là. Voilà. Et comme ça, lui, j'ai juste à passer derrière. Take that. Win. Thunder. Voilà. Pour la dernière fois, hein, les amis, puisque mon Game Catcher a encore planté.
J'avais toujours le son du jeu, mais vous avez plus, vous avez pas vu justement le round 5 encore une fois. Puisque mon game capture a planté encore une fois. Donc je m'en excuse et donc pour éviter ce genre de problème, je préfère encore une troisième fois. Hein. Je préfère couper court à la session. Couper tout court à la session, puisque sinon je vais jamais m'en sortir si il continue de planter. Mais avant de vous quitter, j'aimerais faire un achat en fait. Hop, voilà. Mais bon, hein, vous inquiétez pas, on n'a pas perdu. On a perdu le level 15, mais on a perdu le round quand même. Donc ça m'embête un peu. Qu'est-ce que Disco Bolo, c'est utile hein, en tout cas. On va mettre ça et on va garder Disco Bolos. Et donc moi je vais arrêter la session là, donc je m'en excuse, même si on n'a pas fini le monde du Colisée. Donc on va remettre ça pour la prochaine session, ou cette fois-ci j'espère que j'aurai pas de problème. Donc je me demande si c'est pas un problème de version plutôt. Donc je vais essayer de le mettre à jour pour voir et tester après si j'ai pas eu de problème. Donc je m'en excuse pour ces deux transitions on va dire. Et donc n'hésitez pas à commenter et à partager ces deux épisodes de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous suivre sur Twitter. Et à la prochaine session, on continue ce qui devait être fait dans cette session, c'est-à-dire terminer le Colisée, s'attaquer au monde espace profond et au prochain monde hein, qui est en bleu pour l'instant, et j'ai pas envie de vous dire le nom, enfin de quel Disney c'est tiré, mais je pense que vous avez une petite idée. Et donc voilà, donc portez-vous bien et on se retrouvera la prochaine session de Kingdom Hearts Birth by Sleep avec Terra, et surtout pour peut-être le premier épisode de Manakemia en tout cas. Donc c'était Suzaku Darkus Phoenix. Oups, j'ai fait un petit lapsus. Darkus Phoenix hein, plutôt. Et Janemina.